On aimerait maintenant aborder la question du passage au numérique, plus largement de votre rapport à, à l'évolution des techniques. Donc, on peut dire que vous avez travaillé euh, en vidéo, notamment avec Robert Wilson dans les années 80. Euh, récemment, vous avez encore tourné en, euh, sur pellicule avec euh, Phil Garel. Et donc, vous naviguez effectivement entre différentes techniques. Est-ce que je, on peut vous demander comment vous êtes formé euh, à ces nouveaux outils, de manière générale, et plus particulièrement au numérique ouais. Oui, euh, vous oubliez un chapitre qui, à mon avis, est très important, c'est les, 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 les autres caméras 35 mm. C'est-à-dire qu'en que, euh, particulier l'expérience Boviala avec la V35, Boviala Godard, euh, qui était quand même assez intéressant. Alors, je ne sais pas s'il si faut continuer. Euh, ah, si vous pouvez nous, nous en dire quelques mots, c'est oui. un plaisir. Ouais. L'éclair que j'avais acheté, à l'époque, il avait un moteur qui n'était pas un moteur synchrone, comme on dit. C'est-à-dire qui le moteur qu'il y avait sur la reflex, il y avait un petit générateur qui envoyait cette fréquence générée par ce générateur par un fil sur l'enregistreur, qui était souvent des Nagra fabriqués à côté d'ici, euh, euh, qui enregistrait cette fréquence aussi et qui permettait de synchroniser le son et l'image. Est-ce que vous voyez le problème là hein? C'est-à-dire que le moment qu'on transférait le son de la bande magnétique du 625 en bande perforée, il y avait une machine qui lisait la fréquence envoyée par ce petit générateur, grosso modo par le moteur. De la, de, la, de la caméra sur, euh, sur la pellicule et cette fréquence, elle a. sur le magnéto, pardon, pas sur la pellicule. Cette fréquence, elle pilotait le, 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 le système de repiquage du son. C'est-à-dire qu'il y avait toute l'histoire, l'histoire de la, de, la, de, 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 de la fréquence de la caméra qui était enregistrée sur le son, tel qui permettait d'avancer. Le son et l'image synchrone. Est-ce que c'est clair ça mm -hmm. Parce que c'est une notion qui est très importante parce qu'elle a disparu cette notion-là. il y a eu monsieur Bovéala, qui, a certainement, Jean euh, euh, qui, qui est certainement Jean-Pierre Bovéala, qui s'est dit Mais qu'est-ce que c'est ces conneries et tout euh, Pourquoi il faut avoir un fil comme ça Bref, là j'ai joué un peu vite. Euh, euh, il s'est dit Mais c'est bizarre, pourquoi on ne fait pas tourner les caméras et les magnétos exactement à la même vitesse par, par un système quartz, hein, les montres quartz, de telle façon que les deux avancent exactement à une vitesse connue, mais qu'on peut répliquer sans, sans qu'il y ait des variations. Voilà. Et du coup, il a fabriqué un moteur qui s'appelait le, le Boyala, et que hop, j'ai acheté tout de suite, euh, quelques mois après, Donc à, à, et qui allait sur l'éclair. J'ai enlevé le mien, j'ai monté ce moteur là. Et, et ça, c'était vraiment un passage très important, hein. c'est-à-dire qu'on a, qu'il n'existe plus la, 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 le système de, de fréquence pilote. Euh, ça d'une part. Et disons que là il s'est fait son nom comme ça. Après, là il s'était dit, mais quand même, le C c'est important. Là, il y a eu Bon, là, alors c'était vraiment le premier constructeur qui était très attentif aux gens qui employaient ces instruments. Et du coup, il y avait un dialogue qui s'est installé. Entre nous, en, entre moi et lui, mais, mais évidemment avec d'autres opérateurs, et chacun racontait un peu des petites choses qu'on pourrait améliorer. Euh, 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 moi, je me souviens que Jean-Pierre, je l'avais vu à Grenoble, euh, 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 et qui se demandait, lui, il avait fait un prototype d'abord en bois de la caméra, c'était un truc ergonomique qui ressemblait à un chat. D'ailleurs, toute sa publicité, c'était un chat sur l'épaule. Et, et, et du coup, il, lui, il a. Il a il s'était dit mais tiens voilà ça serait bien de faire une caméra comme ça et là on peut penser il a fait un prototype en bois bref et, 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 et personne lui faisait confiance parce que c'était un peu lui aussi un fils du numérique dont on parlera dans un moment avec des cheveux jusque là qui avait une corde avec des clés de chez lui de l'usine il se perdait enfin ça faisait pas très sérieux quoi. Hein, je dis pour les banquiers. Mais n'empêche que ce qu'ils avaient dans la tête, c'était quand même très sérieux. Et, et c'était une personne qui, qui a contribué énormément à, à l'évolution technique euh, 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 de tous les, les, les systèmes de prise de vue 16 et 35. Et là, hop, intervient Jean-Luc Godard, qui a demandé de fabriquer une caméra, une petite caméra que lui il a appelé il disait pour une référence caméra 8 mm mais quand réalité c'était en 35 donc il a appelé la 8 35 mais c'est vrai qu'après, dans l'égocentrisme de, de, de Godard euh, et, et le côté pas très euh, 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 ouais, enfin euh, euh, il a fait il, il, il a mis dans la caméra euh, euh, pour les cinéastes qui peut-être ils allaient employer cette caméra moi j'ai pensé à vous, virgule, et vous bon pour écrire ça il faut s'appeler Jean-Luc Godard il faut pas <laughs> enfin et, et donc euh, 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 c'était vraiment une caméra avec laquelle on a tourné quelques plans dans, dans, dans le film dans Sauf qui peut la vivre avec euh, William Duczanski et, et qui était un ami opérateur avec lequel j'ai eu un très bon rapport, enfin un long rapport, et, et on a employé, on a, disons on a contribué, moi un tout petit peu, William beaucoup plus, et Jean-Luc beaucoup, euh, 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 à l'existence de cette caméra qui a permis de fabriquer plus tard, c'était le départ de la Penelope, ce qu'ils appelaient la... La Pénélope, c'est-à-dire c'était un peu l'évolution de celle-ci. Sauf que la Pénélope, elle, par rapport au numérique, à mon avis, elle est arrivée un tout petit peu trop tard, c'est-à-dire qu'elle était arrivée déjà dans le déclin du 35 et la montée du numérique. Donc elle est rentrée en conflit avec, avec ce phénomène-là. Alors, le, 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 évidemment, les images à l'époque, et ça on ne peut pas faire. J'avais parlé tout à l'heure du, du, du maths, ce qu'on appelait le maths en deux pouces. Les enregistrements magnétiques des images vidéo en deux pouces, et là aussi, il a commencé la mini miniaturisation de deux pouces, on est passé en pouce, en pouce en trois quarts, et blou, blou, de plus en plus petit, en ayant une qualité meilleure. Et c'est vrai que la tendance de la miniaturisation a fait si que, hop, on commençait à construire des, des petites caméras vidéo mais relativement petite. Alors, ce qui est vraiment la révolution, alors là, c'était une révolution absolument fondamentale, c'était l'arrivée de la, de la de, des premiers caméras portables magnétiques et c'était les Betas. Et c'était euh, 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 là, c'était vraiment la révolution parce que si les Américains ils, 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 ils ont quitter le Vietnam comme ils l'ont quitté en pleine guerre, c'est grâce, beaucoup en tout cas, grâce à ces caméras qui filmaient l'horreur des, 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 des jeunes Américains qui allaient se battre dans, dans un endroit que personne ne comprenait où au niveau des mots. Mais quand il y a eu ces images, les premières images qui sont arrivées de la guerre en direct, les gens, ils, 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 ils se sont aperçus ce que c'était, quoi. Je dis il y a eu une réaction euh, vraiment très importante à ça. Et, et on peut dire que c'était grâce au, au premier euh, euh, bêta. Euh, et les bêta, c'était l'enregistrement c'était les caméras Enfin bref, c'était les premières caméras. C'était la porte pack. Oui. Euh, euh, disons que la, la, la plus classique, c'était les Sony. Bon, les Sony. Euh, après, il y a eu toute une série d'autres. Mais c'était vraiment l'arrivée de ces caméras de reportages grands comme ça, que tu mets sur l'épaule, mmh. c'était la, la base de... de, de... C'était une révolution, ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler du numérique sans passer par là. Mmh. Hein, c'était vraiment important. Et du coup, hop, là, il ne faut pas oublier que c'était l'époque où, sous cette bande de fous furieux de Bill Gates, et, et, et qu'ils étaient sur la côte ouest des États-Unis, et, et, et qui s'est demandé euh, 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 qu'est-ce que c'est ce système-là Ah oui, mais c'est intéressant. Ah, comment on peut, on peut appeler ça ben, C'est des ordinateurs, oui, c'est fait de l'ordre. Enfin, bref. Sauf qu'eux, ils étaient déjà dans, dans un système de réflexion qui était trop en avant par rapport à, 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 au capital euh, financier. Le capital financier, ils sont stupides. C'est bien reconnu. Les militaires, ils ont dit Qu'est-ce que c'est, ces fumeurs de d'achiche qui, qui, qui fabriquent des outils Ça ne nous intéresse pas. Personne ne faisait de cas. Il y a eu quand même d'autres personnes qui disaient Peut-être ils ont des cheveux longs et tout, mais c'est peut-être intéressant. Et Jean-Pierre, il était un peu aussi, à mon avis, il était un peu dans, un peu dans cette mouvance-là, dans ses dans, 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 dans inventions. Toi, il avait étudié quand même de l'électronique avant. Enfin, il, il savait, mais c'était le seul. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, finalement, enfin, on a commencé à, à, à s'interroger sérieusement de qu ce qu'ils faisaient ces, ces, ces jeunes de savates Et, et ils se sont dit, ah, mais peut-être c'est pas mal. Alors les militaires, ils regardaient ça un peu de travers, ils se sont dit, ah, quand même. Et c'est là, ça a commencé l'explosion du, du numérique. Mais les applications du numérique, c'était, comment dire, c'était un spectre très, très large qu'aujourd'hui tout le monde connaît, mais qu'à l'époque, on ne voyait pas très bien quoi ça servait tout ça. Et nous, en tant que cinéastes, c'est vrai qu'il euh, commençait à arriver des images sur d'autres supports avec une autre définition qui n'était pas exactement le même système de 625 lignes qui, et, et, mais c'était quand même un peu différent. C'était euh, ces images, on pouvait les enregistrer sur, sur des supports magnétiques. Ah oui, oui c'est bien. Sauf que les supports magnétiques sont pas trop fiables. Euh, il, ces informations binaires, y restent, mais on n'est pas très sûr. Par contre, le système binaire, c'est intéressant parce que les, les, les informations, c'est 0, 1, ils y sont ou ils n'y sont pas, donc c'est plus simple. Mais il faut des quantités de mémoire absolument gigantesques en travaillant en, en système binaire. Bref, tout ça, ça a pris des... des, 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 des ça, oui, ça a pris la tête. Et, et, et déjà, ils ont commencé à s'intéresser sérieusement. Mais pas par rapport aux images, par rapport à, à, à la vie tout court. Je dis qu'aujourd'hui, on le voit bien, la présence du numérique, elle est absolument partout. Quoi, je dis. Et le problème, à l'époque, c'était de comment gérer ça. Parce que le numérique, formidable, très bien. Mais comment on peut euh, stocker ça et, et sur quel type de support je dis. Et, et, et la miniaturisation. Aujourd'hui, oh, la miniaturisation est telle que. Euh, moi, c'est vrai que j'ai participé à un certain moment à un congrès de, de cinéastes en France, à Brest. je me souviens que l'année, c'était, 89 peut-être, ou 88, l'année qui est sortie l'handicam, la toute première. Handicam, ce n'était pas encore du numérique, la, la toute première handicam, la, la, la petite caméra de Sony et que je suis arrivé à ce congrès, j'en ai acheté une, et que j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on fera du cinéma, bientôt on fera du cinéma comme ça Mais tous les gens du premier au dernier, y compris des opérateurs très estimables, qu'ils étaient morts de rire, ils me disaient, oh oui, oui, Rélato, attends, attends, d'accord, tu nous diras quand on tournera avec cette caméra. Ils étaient morts de rire, je leur dit, oui, faites gaffe parce que ça risque de révéler beaucoup plus vite de ce que vous pensez. Et bien voilà, aujourd'hui... Moi, j'ai commencé à faire du cinéma qu'on mettait les objectifs, ça m'arrive à dire souvent, qu'on mettait les objectifs sur des caméras. Aujourd'hui, on met des caméras sur des objectifs. Parce que les optiques, ils ont resté pratiquement la même dimension. C'est un problème physique tel que pour enregistrer des images qui passent à travers un système optique, bien, certainement, tu ne peux pas réduire... Euh, une roue, elle a toujours une forme de roue et ça sera toujours une roue. Et voilà, euh, c'est un peu la même chose. Je dis les, les, les optiques, on peut rendre petites, mais si on veut enregistrer une image qui a une certaine dimension, on, on est obligé par le fait que maintenant on fait des optiques hyper petites, une qualité absolument incroyable, mais l'image qu'on enregistre, elle est toute petite aussi. Mais grâce au numérique, cette petite, on peut la grandir beaucoup. Enfin bref. Donc, euh, euh, mais en tout cas, euh, euh, jusqu'à il y a quelques années, l'enregistrement, les senseurs, ils étaient quand même relativement gros, quoi. Mais là aussi, bruit, on est en train d'aller vers une qualité technique et de définition très, très, des images de plus en plus petites, avec des optiques de plus en plus petites. Et, et bientôt, on pourra avoir des caméras que, que grandes comme. Euh comme ce bouchon-là, y compris les optiques alors, mais tout est miniaturisé. Bref, et tout ça, c'était vraiment une révolution totale, quoi, je dis, le... le, le, le comment dire Moi, personnellement, je considère que l'arrivée du numérique dans le cinéma, c'est un support. C'est-à-dire que tout à coup, on est passé de la pellicule au numérique. C'est pas la même chose. Non, la pellicule, c'est une chose, le numérique, c'est autre chose. Mais après, beaucoup de cinéastes ils se sont confrontés au fait est-ce que je tourne la pellicule, ou je tourne un mais le film est mieux, non, le numérique, moi je m'en fous. Bref. Et là, pouh, il y a eu un éventail de discussions très, très larges, de, 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 de considérations, de, de, de théories, euh, qui sont des théories qui peuvent être techniques. Donc la définition, euh, euh, la reproduction, euh, etc. Hein, le cinéma, c'est quand même la spécificité du cinéma, c'est sa propre reproduction. Donc en numérique, c'est vrai que la reproduction, elle est un tout petit peu plus simple que dans tout système photochimique. Donc tu te dis, bah, d'accord, c'est parfait pour le cinéma, mais euh, 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 ça a amené comme, comme, comme euh, comme héritage de tout ça, une espèce de facilité, et que c'est pas en rendant les choses complexes que tu améliores les choses, mais c'est en étant conscient de ce que tu as dans les mains et, et, et d'en faire quelque chose d'autre que, que, que la paresse, quoi. Je dis que, que que ah ben oui c'est très facile alors on, on y va. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très facile de faire une image. On appuie sur un bouton, boum, on a toute une image. Comme photochimique, c'était quand même compliqué. Aujourd'hui, avec un appareil grand comme ça, on peut avoir une qualité d'image qu'on peut projeter sur des écrans gigantesques. C'est très bon. Voilà. Il y a un côté un peu artisanal qu'on a peut-être perdu. J'ai l'impression que vous parlez de de cette image numérique, on, on, on pousse le bouton et on l'a alors qu'avant il fallait vraiment travailler. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, 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 mais, mais ça, ça je dis ça du, du point de vue strictement technique de mm -hmm. définition, mm -hmm. par exemple la définition, reproduction de couleurs, enfin, c'était beaucoup plus compliqué en photochimique. Mais c'est vrai qu'il y avait toute une chaîne de travail. Tu vois, hyper compliqué. Mais je dis, mais ça, c'est une évolution qui est évidente, pas seulement dans le numérique. Je dis, euh, Gutenberg, euh, oh, quand il faisait les premiers trucs de presse, jusqu'à aujourd'hui, les, les journaux, grâce au numérique entre autres, mais avant le numérique sur les journaux, les systèmes de presse, les machines, ça a évolué. Mais ça a évolué aussi la, 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 parallèlement. Je pense, on ne peut pas faire totalement abstraction, euh, 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 ça a évolué aussi le fait que les gens, ils savent lire et écrire. Hein? Je dis, il y a 200 ans, euh, il y avait des gens qui étaient à chaque coin de rue, « Ah, tu veux écrire à quelqu'un Oui, viens, je, je te donne un coup de main. » Les gens, ils ne savaient pas tous lire et écrire. Aujourd'hui, plus ou moins, ils savent tous lire et écrire, mais c'est pas pour autant qu'ils sont tous des... des, des des, 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 des hommes de lettres, enfin de, 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 de littéraires, c'est pas tous des, 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 des écrivains, disons, autant qu'aujourd'hui dès qu'on appuie sur un bouton, euh, c'est très facile, mais c'est pas nécessairement un cinéaste. C'est pas la facilité donnée par le numérique qui te dit toi es un cinéaste, surtout pas. Mais mais pour moi c'est c'est un peu c'est un peu comme si tu étais devant un piano, tu appuies sur une touche, hop, oh, tu as une note, mais ce n'est pas encore la musique. Si tu es joué comme Rubinstein, il faut que tu te laisses tout le matin, tu fasses un peu de gamme. quoi. Et, et le numérique, c'est un peu ça, pour moi, aujourd'hui. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est un petit peu ça. À, un niveau, à mon niveau, à moi. Et on imagine que ça a aussi. Euh changer pas mal de choses au quotidien sur les tournages. Mais ça, transparaît Complément. déjà un peu dans ce que vous Complément. dites. Par Complément. exemple, euh, j'imagine que vous n'avez plus l'habitude la, la, de visionner les rushs en fin de... Ça, c'est un, un drame. Mais ce n'est pas, pas le numérique qui a amené ça. Hein, C'est-à-dire que oh, les gens, ils ont sauté sur le fait que le numérique, on a des moniteurs partout dont les gens, ils voient. Donc, ils disent, ben, voilà, on peut juger l'image, donc il n'y a plus de nécessité d'aller aux rushs. C'est-à-dire que les rushs, c'était quelque chose, il faut bien le dire, pour les cinéastes qui... Ah oh oui, merde, il faut qu'on a un rush, là. Regardez la montre et tout. C'était un peu... Tu ah, vois, je dis, il faut travailler à Paris pour... Aller... Ouais. Tu y vas, toi, au rush. Ah, non, ce soir, j'ai pas envie parce que je suis invité chez mes parents. Bon. Eh bien, maintenant, on profite de ça. Ah, très bien, on n'y va plus. Il faut bien dire que c'était ça. Bon. Mais... C'est vrai aussi que le rush, c'était quand même un moment de partage que moi je considère extrêmement important. Mais alors, pourquoi on ne le fait plus On ne le fait plus parce qu'on regarde la montre, tout bêtement. C'est pas qu'on qu peut très bien le faire si on veut. Là, sur le film de Garrel, on fait des séances de rush. Alors là, un rush, on revient au problème du matériel. Excusez-moi, très important. Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai acheté souvent du matériel. Mmh. Hein? Mais j'achetais que du matériel qu'on avait difficulté à trouver en location. Ce n'était pas des caméras qu'on trouvait à chaque coin de rue. J'achetais souvent du matériel que, que la... c'était difficile qu'on ne trouvait pas, ou, ou qu'on trouvait mais ce n'était pas dans de bonnes conditions. et tout. Alors pour nous, l'erreur, c'était un drame en 35 mm. Jusqu'au moment que j'ai dit, écoute, j'en ai marre et ça, c'était sur un film de Louis Malle. Vous vous je dit, j'en ai marre de, 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 de changer de projection tous les jours, tu sais plus où tu en es, tu auras des recherches, je dis, mais merde, pourquoi c'est pas bien là Il y a des problèmes, non, c'est la projection, enfin, bah, c'était tout le temps des discussions terminables, jusqu'au moment que je me suis acheté un projecteur, 35 mm, image et son, hein, mm -hmm. double bande c'était tout un truc que je me suis tremblé mais mais sur, sur un nombre de films considérable et ça tout le monde était d'accord parce que euh, on partait pas il n'y avait pas les rushs c'était pas le truc de, de, de oh merde, la montre et tout non on allait à l'hôtel où on était installé on installait une projection on avait du son qui était pas absolument magnifique parce qu'on avait le bruit du projecteur souvent mais qu'on installait derrière un, un mur ou enfin dehors dans le couloir et, et mais qu'on projetait et on avait une projection que, moi je savais ce que ça donnait mais au réalisateur ça permettait d'entendre enfin de voir et d'entendre le son et que souvent c'était mieux quand même d'aller dans une projection c'était des roches muettes et qu'il doit entendre le son à côté quoi voilà surtout quand on n'était pas à paris bien évidemment mais ça, on a commencé à l'imprimer même quand on était à Paris, ce projecteur. Mm -hmm. Et ça, l'avantage, c'est que pour vous, ça vous permet d'avoir une... disons de connaître ce projecteur et de savoir, enfin, voir encore plus précisément ah, bah, la oui. qualité de l'image. Je sais, absolument. Et, mais est-ce que ça, vous avez des, des méthodes spécifiques aussi pour ce qui est du numérique Est-ce que vous utilisez toujours les mêmes moniteurs Notre ou... travail, c'est un dialogue avec l'écran. Mm -hmm. On dialogue tous les jours. Alors, c'était tous les jours quand on avait visionnaire, Hein, ce qu'on a fait en général c'était 24 heures de temps on allait voir ce qu'on a fait hier aujourd'hui et, et, et c'était ce dialogue-là ah oh oui mais là on peut améliorer faire des choses on est très critique donc ce dialogue-là il existe maintenant ou en direct avec des bons moniteurs sauf qu'avoir des bons moniteurs sur des tournages c'est une galère alors il faut savoir à quoi ça sert les moniteurs sur les tournages alors si c'est pour le cadre, très bien, hop, oh, je mets tout en noir et blanc, comme ça on regarde le cadre, on ne commence pas à discuter, ah mais oui, ici la couleur, non, non, on regarde le cadre, très physique, dans la mesure où on peut, hein, parce que c'est pas toujours facile, et, et, et puis rien, je dis, le problème c'est que les moniteurs... Euh, pour avoir de la bonne qualité sur un tournage, il faut revenir des conditions qui ne sont pas seulement les moniteurs. Il faut avoir une ambiance sombre. Et si on est en plein désert, un soleil de tous les côtés, comme on fait, c'est compliqué. Alors, ou là, il faut abandonner. Alors, c'est clair que nous, on a quand même l'habitude, en tant que cinéaste, du, du, du photochimique. Oui, c'est un peu difficile. Oui, bref, on a fait du photochimique. C'était quand même un peu plus facile pour nous de faire l'abstraction le moment qu'on est en train de filmer dans le désert sans avoir des images parce que on, on sait ce que ça va donner à peu près voilà mais il y a des cinéastes aujourd'hui que si on est dans le désert qu'ils n'ont pas des images ils disent mais comment on n'a pas des pourquoi on n'a pas des images alors que tu fais dans ces cas-là tu diras ah, ça commence une discussion mmh. très longue c'est que le numérique il a amené une façon de travailler mais c'est ce qu'on a en... C'est quand même le produit d'une manque et d'une perte de connaissances et de qualité. Mais ça, ça n'existe pas seulement dans le cinéma, malheureusement. Ça existe dans la cuisine, dans ce genre de produits. Ça existe partout. C'est la finance qui, 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 qui nous a amenés à ne plus avoir aucun rapport avec ce qu'on fabrique. C'est terrifiant ça, je dis, mais de, je dis de Monsanto à, 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 aux industries alimentaires jusqu'aux jusqu bagnoles. Quand, quand on voit les bagnoles comme ils sont fabriqués, c'est une telle perte de qualité à tout point de vue. Mais ce n'est pas, pas, pas l'évolution technique qui a fait ça.